C'est vrai, chaque Ivoirien vraiment son destin, mais parce que cette fois-ci-là, si on ne fait rien, on va pleurer demain. Alors, il faudra qu'on prenne notre destin, mais c'est-à-dire aller contre choses comme on appelle les gens qui ne respectent pas la loi, ceux-là, on doit les mettre de côté. Parce qu'il faut respecter la loi. La loi, là, elle est faite pour tout le monde. Elle n'est pas faite pour certaines personnes. Et puis, bon, d'autres ne respectaient pas et puis ils évoluent dedans. Ce n'est pas une très bonne chose. Alors, il faut respecter la loi du pays. Parce que toi-même qui es à la tête, tu ne respectais pas. Comment veux-tu que les autres respectent la loi? J'ai en effet suivi l'intervention de M. Tidjane Thiam sur TV5 et j'avoue que je ne suis pas surpris de la qualité, de la profondeur des propos qu'il a tenus. Je dirais même que cela va de soi qu'on demande aux uns et aux autres d'éviter de nouvelles morts, d'éviter de faire peur aux populations. Écoutez, il y a 10 ans, moi-même j'étais reporter pour CNN à Abidjan, j'ai suivi la crise, des gens sont morts. On ne peut pas revenir 10 ans après comme si on n'avait pas appris, qu'on n'avait appris aucune leçon de cela. Le problème de mort, vraiment, c'est déplorable. Le problème de mort, c'est déplorable. C'est ce que je disais, je dis qu'il faut que chacun à son niveau fasse en sorte qu'il n'y ait pas de mort. On ne peut pas aller vouloir la volonté du peuple, vouloir le bien du peuple, et puis se tuer. Le peuple, il fait quoi alors où il est? Donc je crois que ça, c'est pas bon. Normalement, je pense qu'un leader, c'est pas celui qui doit dire que le peuple a peur. C'est lui qui doit essayer de pouvoir employer des mots pour pouvoir apaiser la population. Quand je prends l'exemple de ce qui s'est passé à Bonoua, à Gagnoua, un peu partout, à l'intérieur du pays, vous pouvez constater qu'aujourd'hui, la population a peur de pouvoir sortir, la population a peur de pouvoir être réprimandée et tout ça. Mais le chef de l'État devait normalement apaiser tout le monde et réunir les Ivoiriens pour qu'il y ait vraiment une réconciliation, une vraie réconciliation. Je pense qu'il est temps d'arrêter tout le processus électoral qui est biaisé de toute façon. On ne peut pas, et ce n'est pas honorable pour notre gouvernement de tirailler ici, changer les compositions de CEI. Je veux dire, les conditions ne sont pas réunies pour un scrutin apaisé. Et quand on est président de la République, quand on tient à l'unité de la nation, on fait tout ce qui est possible pour que les fils de cette nation s'asseyent, discutent et mettent tout au point avant d'aller à ces élections. Faire ces élections dans ces conditions, c'est ouvrir la boîte de Pandore et on ne sait pas où on va. Je suis d'avis avec Tidjane Thiam, parce que pour des élections apaisées, il faut la participation de tout le monde. Voilà. Quand un parti se sent un peu lésé, c'est ça qui provoque les palabres. Donc, justement, il y a de grands candidats comme M. Laurent Gbagbo, M. Soro Guillaume. Je pense qu'on doit laisser tout le monde aller aux élections. Et c'est les Ivoiriens qui vont choisir leur président. Je peux dire qu'il a raison parce que nous assistons déjà aux tensions. Donc il faut créer des bonnes conditions pour que la population puisse s'exprimer dans les urnes. Quand nous prenons les cas d'électeurs, il y a beaucoup d'irrégularités. Et le dépôt même des candidatures pose des problèmes. Nous assistons à des tensions dans le pays et tout. Cela déjà même qui a occasionné des morts. Donc cela, moi, il faut créer des bonnes conditions, accepter tous ceux qui se prétendent être candidats, aller déposer leur dossier. Maintenant, le Conseil constitutionnel qui est chargé, qui est l'organe qui est chargé pour organiser les élections, va valider.